on Zombie Apocalypse. Salut à tous les gamers. On se retrouve aujourd'hui sur Jesso Gaming pour le troisième épisode du chapitre 10 de The Evil Waiting. Mais ça commence à être dur à prononcer quand même. C'est la première fois que je fais trois épisodes sur le même chapitre, donc ça commence à être dur. Mais bon, ça se fait. En espérant qu'il n'y a pas quatre épisodes, parce que ça me fera un peu chier quand même. Passer autant de temps sur un même chapitre quand même, c'est quoi ce bordel? Hop. Ça va être par là, donc, je crois. Il n'y a rien. Là, je sens que la fin de l'épisode va être très très chaud. C'est bien ce que je semblais, ça va être très très chaud. Y'a rien par là. Y'a rien par là. Y'a rien en plus. Y'a un bouton sympa, je pense. Ok. C'est normal. Le seul truc qu'on a, c'est ça. Donc, c'est pour lui ouvrir, à mon avis, la porte. Hein. C'est bien chouette. C'est pas comme si j'avais quelqu'un qui me suivait l'air. Oh putain, c'est carré. Oh putain, c'est carré. Hop là, hop là, allez. En fait, comment quand j'ai plus de mission exactement, je peux savoir? Parce que là... comment dire... comment dire, bah chier quoi. Elle, ce qui lui fait mal, c'est la flotte. La flotte, le truc, excuse-moi. J'ai même besoin de la combattre, en fait. Putain, je te pose des questions, mon garçon. Ah, mes garçons. Putain. Je lui ai fait une belle connerie en fait. Elle a niqué toutes mes balles pour cette putain de merde là. Putain, j'ai fait une grosse connerie. Putain, fais chier, tiens. J'ai niqué toutes mes balles pour elle alors qu'elle avait même pas besoin, quoi. Putain. Chier de ta mère, tiens. Ah, tiens. Bon bah c'est pas grave de toute façon. Enfin non c'est fait hein. Je vais pas revenir en arrière pour ça. On va essayer de prendre tout ce qu'on peut hein. Parce que maintenant bon c'est un peu la mauvaise. Alors j'ai récupéré des balles de snipe. Non de quoi? Non de rien du tout. Je sais pas ce que j'ai récupéré. Enfin, c'est pas grave. Genre moi me vénère. Thank you.
sais même pas ce que ça a fait. Je passe un point de contrôle. Ok. Mais là, je passe pas. Mais pourquoi là, t'as raison. Voilà. J'ai très bien, je passais pas, de toute façon. C'était même sûr. Quoi qu'est-ce ? Putain, mais elle veut me faire chier longtemps, cette pute là. Je vais faire vraiment une conne, encore une fois. Je vais pas arrêter tout ça. Là. Et c'est quoi, va chier ça là. Va chier ta mère. Vas-y, défonce ma gueule, vas-y, fais ta place. Putain, je n'ai toutes mes balles pour ta gueule tout à l'heure, t'as rien à secouer. Et là, tu vas me grasser les couilles jusque là. Putain, enfant de sa mère. C'est une gaffe. Ce chapitre me gave avec cette tentacule de merde. Merde, celui-là. Avec les quatre pauvres malheureuses balles. Bon, bah maintenant, on fait. Hop là! Hop là! Oui. Mais mec, je te demande gentiment de baisser, quand même, pour que tu le fasses. Déjà, c'est pas par là. Allez. Non, mais sérieux, non. Putain, espèce de grosse pute, va. Chier, tiens. Ça. Quand il y en a marre, il y a mal barre. C'est quand même fou de galérer, mais galérer autant quoi. Putain de merde, c'est pas possible. Là, le truc est là. Attends. Le deuxième. Là. La paupiasse, elle est là. Je sais pas si on tire en dessus le bordel. Ah ouais, c'est quelque chose. Ok, bah le prochain coup, je tirerai dessus. Ça a sérieux ma gueule, quoi, mais dégage, quoi. Eh ouais, faut que je vois. Alors le premier qui est là. Ah.
crame comme ça. Waouh! Ah, t'as vu ta mort de près, mon garçon, je pense, hein? T'as vu ta vie défiler, hein? Mais pour qui est-ce que tu te prends? Je sais qui tu es. Zeb. Je sais ce que tu désires, ce que tu crains. Pourras-tu vivre sans remords en sachant ce que je vais te faire faire? Ce pauvre Joseph n'a pas pu. Dommage qu'il t'ait entraîné là-dedans. Quoi qu'il en soit, je ferai ce que je veux de toi. Ouais, bien sûr. Tout ce que tu veux de moi, bien sûr, c'est ça. Il est long ce chapitre. Hein. Je me tâte même à vous laisser là pour faire une quatrième épisode parce que ça risque d'être long sinon. Et puis je me dis que je suis bientôt à la fin aussi, quoi. Donc je suis en train de me tâter un peu là. Me tâter et un peu tourner en rond aussi. Ça va être quand? Allez, nous sommes arrivés. Merde, je suis revenu là. Hop, fragment de carte. On est revenu là, mais là la porte est ouverte. Elle était pas ouverte là. Non, si elle était ouverte. Doc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'essaie de nous sauver. Vraiment? Parce qu'on dirait plutôt que vous essayez de faire un autre monstre. Je n'ai pas de temps à perdre, inspecteur. Et moi non plus. Leslie a survécu à cela. Avec succès. Il a déjà été connecté à Ruvik. C'est un cas unique, à ce que je sache. Merveilleux. Et qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Il est la clé, inspecteur. C'est notre seule issue. Souris! Leslie, est-ce que ça va? Mais pourquoi? Pourquoi ça va pas? Thank you.
Docteur, vite! Il cherche la même chose que nous. Il veut s'échapper. Point de contrôle! Non, mais c'est quoi cette blague? Putain, moi je trouve c'est la fin du chapitre, comme. Non, même pas! Putain! Bon, bah je vais laisser là, les gamers, hein! On va se faire une quatrième partie de ce chapitre! C'est pas grave, on va faire avec! Ah, le chapitre long, sérieux, c'est ouf! Bon bah voilà, bah je vous laisse là les gamers et puis on se retrouve pour la quatrième partie du chapitre 10. Allez, à bientôt.